pas vrai, c'est pas vrai, de merde. Pays de merde, on est où là? Faites demi-tour dès que possible. Oui, ben j'aimerais bien, ouais, connard. Recalcule de l'itinéraire. Vas-y, recalcule, con, va. Dis-moi d'abord où je suis, merde. Erroné. Oui, ben je sais bien que mon chemin est erroné. Connard ! Merde ! Non, mais c'est terrible ce qui nous arrive. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas le métro dans le coin ? Le métro ? Genre, on peut prendre Châtelet, je sais pas, ou Nation, mais je sais pas, mais juste n'importe quelle ligne. Putain, mais café Hidalgo ! Mon Dieu. Tu tournes ? Oui, oui. Ok, 2 secondes. Et ça tourne. Vigne, Beaujolais, vaste domaine, amateur de vin, bienvenue sur Star TV. Nous allons aujourd'hui à la rencontre d'Alexandra Moncerf, une jeune vigneronne passionnée par son domaine, son vin, son raisin et ses secrets. Et c'est une surprise, suivez-moi. Bonjour madame. Pardon, bonjour monsieur. Nous sommes l'équipe de télévision, nous faisons un reportage sur les jeunes vignerons, et c'est pour Star TV. Non mais attendez, c'est complètement zarbi, là, il ressemble pas du tout à une Alexandra Moncerf, c'est complètement saugrenu. Oui. Parce qu'en fait, c'est Alexandre Moncerf, vous êtes trompé, je pense. Je suis Alexandre Moncerf. Et vous êtes? Le vigneron de ce fabuleux lieu. Très bien. On fait comme chez nous? Je vous suis. Ouais, faites comme chez vous. C'est par où? Par là, ici. Là, là, là. Je vous sers une bière? Du Beaujolais plutôt, on est là pour ça. Plutôt là pour ça. Ouais, non, c'était une blague. Il est un peu louche dans cet Alexandre quand même. On s'en fout, on va rendre le truc ce soir, c'est tout. Je suis toujours là, mais j'y vais. Donc... Ah. Et voilà! Alors, du coup, parlez-nous de vous. Alors, moi, du coup, c'est Alexandre Moncerf. J'ai 22 ans et je suis vigneron. Oui. Je fais du vin. Ça fait un micmac, ça. Tout à l'intérieur et ça crée le vin et ça le met en bouteille et on boit. Il a de la robe, une couleur vive, hein. C'est intéressant, c'est prometteur. Ça vous le dit souvent en ce moment. Où est votre crachoir? Oh, quand même, il est pas si mauvais que ça. Hein. Bon, dites-nous, par exemple, comment reconnaît-on une bouteille bouchonnée? Ah, ça c'est une très bonne question ça. Comment on reconnaît une bouteille bouchonnée? Je viens de le dire. Eh ben c'est très simple, la réponse est vraiment très simple. Prenez la bouteille, normalement, il y a quelque chose dessus, qu'est-ce que c'est? C'est un bouchon. À partir du moment où le bouchon est dans la bouteille, là, on peut dire qu'il est bouchonné. Bien sûr. C'est fou. Je suis ému. C'est juste, je me suis toujours demandé justement pourquoi, enfin comment, pour le bouchon, c'est génial. Et toi? J'attendais cette réponse. Merci. Depuis tellement longtemps. Je sais. Bon, le domaine, quelle est la superficie du domaine? C'est vaste, hein, 6 chambres, 4 salles de bain, un grand jardin, une belle cave en bas, vraiment une très très belle cave. Impressionnant. et vos cépages? Quels sont vos cépages? Cépages combien? Bon Gabriel, va faire quelques images de la vigne là. Moi? Bah oui, et toi, t'en connais d'autres? Vas-y. Bah, je sais pas moi. Ok, bah, j'y vais du coup. Petit jeu. Ah, vous êtes... Comment ça que je suis cambrioleur? Le fils de la propriétaire. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ah. Bonjour, je suis Alexandre Moncerf et je suis vigneron depuis...
Mais qu'est-ce qui joue mal? T'es pas dedans, Alexandre. Théophile, je m'appelle Théophile. Théophile, Alexandre, je sais pas, moi. Tu peux pas essayer de, je sais pas, d'incarner un peu plus? Je te rappelle qu'on a un pacte tous les deux. Donc soit t'es dedans, soit je te balance. Ok, ok. Bonjour, je m'appelle Alexandre Monserre et je suis vigneron depuis 2 ans. Top! T'y crois, toi? Non. J'y crois plus. Non. J'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. J'y crois pas! C'est fade! C'est fade? Y'a rien! Y'a rien! C'est plat! Plat! Nul! Ouf. Nul. Horizontal. Ah, oh, ça va, c'est bon, j'ai compris. Hein, tous ces adjectifs, c'est bon. Je suis cambrioleur, je suis pas comédien, d'accord? Il a un problème, hein? Oui. Salut, Lupin. Carrément, on va un petit peu se calmer en fait. Là, on essaie de faire un reportage, d'accord? Donc, on va un petit peu se calmer, oui, d'accord? Bah, toi aussi, tu vas te calmer. Oui, on va filmer, on va se calmer et on va y aller. Pardon. Ok, ok. Bonjour! Bonjour. 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 Vous voulez un verre de vin? Ça va pas être nécessaire. Bienvenue dans mon domaine. Oui, on y est. Ah, c'est bien ça. Vas-y, filme-toi. Bienvenue chez moi, surtout. J'aurais au moins voulu un carton de vin. Enfin bon, pour le transporter dans le métro, ça va être compliqué. Quoi. On va en chier pour les transports. Les pickpockets. Ah ouais. Surtout la ligne 13. Ah, la ligne 13. Oh, la ligne 13. Oh, la ligne 13.